Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc Redouane ERJC, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. En plus, vous m'avez manqué. Donc avec la charge de travail qu'on a actuellement, c'est vrai que ça fait un mois que j'ai rien posté. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai rentré un produit qui est intéressant. Donc c'est un MacBook Pro A 2289. Donc c'est un modèle 2020. Donc comme vous voyez ici, l'écran il est cassé de ce côté-là. Voilà, donc vous voyez des traits. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment changer un écran pour un MacBook Pro 2020. Pour réaliser cette tâche, on a besoin de quoi? D'un tournevis Torx et cruciforme et une ventouse, tout simplement. À tout de suite. La première chose à faire, c'est de démonter le capot. Il y a vraiment ces vis, donc c'est pas compliqué. Après, on prend la ventouse, on la met ici, on bloque, on lève. Et on va tirer. Donc après, on va tirer en arrière. Ici, vous avez des crochets. Donc il faut juste bloquer en fait. On bloque ici et on va tirer. Voilà, comme ça. Voilà. Et ça vient tout seul. Donc voilà, c'est les crochets là, qui s'emboîtent ici. Donc là, on débranche la batterie. Donc la nappe là à débrancher, il y a la vis là à enlever. Vais changer de... On lève un peu ça et voilà. Donc là, la batterie elle est débranchée. Maintenant, on va commencer à enlever l'écran. Voilà, donc on va. Il y a deux caches ici. Voilà, donc on enlève le premier cache. Pensez à poser les vis de chaque élément que vous enlevez. Posez les vis de cet élément à côté de l'élément. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que les vis là, ils vont. Voilà, comme je l'ai fait là. Comme vous voyez ici. Voilà. Donc maintenant, on va enlever les deux plaques métalliques qui sont là, ceux-là. Les plaques là, ils vont tenir les charnières, comme vous voyez ici. Faites vraiment attention à manipuler en fait les nappes
doucement parce que c'est très 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 sensible. Maintenant, voilà, vous avez la nappe, elle est là, juste à faire ça. Allez doucement. Voilà, comme vous voyez là, on a débranché la nappe de la carte mère. Maintenant, on va enlever les vis là. Donc là, on va dévisser cette vis. Je sais pas si vous voyez. 1, 2, 3 et 4. On a la nappe de. Donc là, la Wi-Fi, elle vient ici. Donc on va essayer d'enlever les antennes Wi-Fi. Mais il faut aller vraiment dessous. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, c'est juste un. Voilà, un autocollant qu'ils ont mis en plastique pour protéger en fait. Pour couvrir plutôt. Donc là, on va enlever doucement. Ce que je peux leur reprocher, c'est que sur ce modèle, ils ont mis une carte Wi-Fi qui est intégrée, ce qui est dommage. Je vous avais appris la carte Wi-Fi, bah, il faudrait faire de la micro-soudure. Donc le seul point sensible pour moi, c'est les deux antennes. Donc faites attention vraiment à prendre votre temps à débrancher les antennes. Voilà, donc il y a une vis qui va tenir. Donc on l'enlève. Et normalement, la Wi-Fi vient. Donc la nappe est là. Donc là, il faudrait qu'on enlève. Les vis des charnières, donc les trois là, plus ceux-là. Voilà, donc une fois fini, là, on va enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6, ça fait 12, les petites vis là.
Et là, on attaque les vis. Là. Ça, c'est les vis des charnières. Ah, celles-là, elles sont vraiment bien serrées. Hein. Là, on a ôté les 6 vis qui tiennent les charnières. Voilà, donc là, une fois on a enlevé les vis, donc là, on enlève les antennes Wi-Fi. Comme ça, on a accès à toute la zone là. D'accord? Système de ressort plus les charnières. Maintenant, on a juste à ouvrir l'écran. Il va venir tout seul. Voilà, donc une fois vous ouvrez en fait le MacBook à 90 degrés, et ben en fait il vient tout seul, tout simplement. Donc voilà, l'écran endommagé, ben, il est comme ça. Donc là on va faire la même chose, poser le nouveau écran. Donc voilà notre nouveau écran qu'on va positionner. Donc une fois l'écran il est mis en place, donc une fois notre écran il est en place, on remet, première chose à faire, les vis pour les charnières. Donc ici, le ressort, il faut le plier comme ça et le rentrer. Voilà. Une fois il est en place, bah, je pense pas qu'il va bouger. J'ai fait une petite erreur. Il faudrait rentrer l'antenne Wi-Fi.
avant de mettre. Voilà. Donc je rectifie. On rentre. Une fois on pose l'écran, on met l'antenne. Après on pose, on visse les charnières. Quatre vis. Donc là, on visse les ressorts. On remet les caches. Là, on remet. Donc il y a une vis à remettre pour que la wifi ne bouge plus. Donc une fois vissé, vous vérifiez que les antennes ils sont bien posées sur la carte mère. Et après ben, on remet l'adhésif. Donc le plus gros effet, il reste à remettre la nappe. Et ça, c'est à manipuler doucement.
une fois l'un appel est posé, tout de suite, on remet le crochet qui tient l'un. Oui, l'avantage qu'on vous posez, en fait, chaque vis à côté de chaque élément, ben vous savez que la vis là, elle va pour l'élément là. Comme ça, vous mélangez pas les vis, vous vous trompez pas. Voilà. Et là, on remet les petites vis. Il y a 12 vis, donc il faut avoir de la patience.
Voilà, donc là maintenant on va visser la batterie. Voilà les amis, donc après avoir remonté le Mac, donc voilà, donc l'écran il fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a vraiment plu et je vous dis vraiment à bientôt voilà pour d'autres vidéos. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.